J'ai mon chat qui gratte à la porte. Tesla, Tesla. Bah oui. Bon bah je te fais sortir. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kazu Manga et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo promise, la vidéo Mangatech. Enfin, elle est là, c'est mon tour, puisque c'est quand même la vidéo de base du manga YouTube, du YouTube manga. Bref. Donc je vais vous présenter l'intégralité de mes mangas. Surtout que je suis passé chez mes parents récemment, que j'ai récupéré ce que j'avais là-bas, et que, ben surtout, comme je l'ai dit en dernière vidéo, j'ai changé de Mangatech. Donc j'ai des nouveaux meubles, c'est les Billy hein, de chez Ikea, pour ceux qui voudraient la référence. Je les range pas spécialement par auteur, par maison d'édition, par ordre alphabétique, par couleur même, j'ai vu. Je fais pas tout ça, je les range un petit peu au feeling, puis en fait je les change régulièrement de place. Suffit que j'achète des nouveaux tomes et en fait ça va un peu chambouler mon ordre. Donc bah, je fais un petit peu au feeling, tout bêtement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le son est meilleur. Eh ouais, j'ai un micro maintenant. Non, plus sérieusement, c'est vrai que le son de mes vidéos n'était pas optimal et quelques personnes me l'avaient déjà dit en commentaire. Donc maintenant que j'ai un micro, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que vous me fassiez un retour au niveau du son, puisque j'espère m'améliorer de plus en plus sur la qualité de mes vidéos. Et le son, c'est primordial. Du coup, j'aimerais vraiment savoir si c'est beaucoup mieux. Faites-le moi savoir en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Alors, il faut savoir en fait que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je ne savais pas comment faire ma vidéo Mangatech, comment vous présenter mes mangas. Du coup, j'ai vidé entièrement ma Mangatech et je voulais présenter un par un, mais j'étais vraiment pas satisfait du rendu. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais vous les présenter comme ils sont, un par un, et ça sera beaucoup plus simple pour moi et puis pour vous. Et également, la vidéo durera beaucoup moins longtemps. Ok, let's go. Alors voilà, j'espère que j'arriverai à être stable. On commence par Kingdom, la box 1, donc avec les 10 premiers tomes. Vraiment super cool. J'ai pas encore pris ma lecture, mais c'est la prochaine sur ma pile à lire, parce que là je suis sur une lecture qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça c'est juste après, parce que je pourrais pas être concentré sur deux choses aussi grosses en ce moment. Ensuite, l'édition colossale de la Drake Titan, donc les 11 tomes qui sont sortis à ce jour. Vraiment, c'est une lecture qui est formidable. Est-ce que je dois vraiment présenter l'attaque des Titans? Je suis pas sûr, hein, l'édition colossale qui regroupe 3 tomes. Donc, avec des dessins du coup qui sont hyper appréciables, hyper angoissants en grand format. Moi j'adore cette édition, je sais que tout le monde l'apprécie pas, surtout qu'elle est pas si facile que ça à ranger au final. Mais enfin, ça c'est une question de coup. Ensuite, plus loin, j'ai Planète de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, une lecture beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus mature. Qui parle d'astronomie en fait, enfin pas d'astronomie tant que ça, mais c'est des gens qui... Comment on appelle ça, des cosmonautes en fait. Bref, c'est une taille d'un dictionnaire, hein. Mais c'est super cool, ça regroupe 3 tomes également. Ensuite on a Sensor, Tomie, Spiral et Gio, donc les rééditions de Junji Ito, le grand maître de l'horreur japonais. Vraiment c'est un plaisir d'avoir ces lectures. C'est de la bombe atomique, surtout que je suis pas un grand fan d'horreur en général. Mais alors ça, ça c'est du bonheur à l'état pur. Et tout au fond, on a Dororo, le tome 1 de l'édition Prestige. Donc Osamu Tezuka, hein, le père fondateur du manga moderne. C'est excellent, il y a un animé qui est sorti, moi j'ai connu avec l'animé, qui est super cool, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Mais je vous conseille d'aller voir ou d'aller lire parce que ça déchire. Alors, ensuite ici, on a Sky High Survival, donc en 21 tomes. Bah, évidemment, je tombe sur un baigneur vraiment super cool. Donc, c'est un survival horreur sur des buildings. Donc, waouh, très belle planche. Donc, vraiment super cool. Je voudrais éviter de spoiler quand même, potentiellement pour ceux qui lisent le manga
Donc c'est un survival horror, donc c'est pas le style de manga dans lequel je suis le plus habitué. Peut-être ceux qui seraient fans de Battle Royale, ou même de Alice in Borderland, ce genre de choses, ça pourrait vous convenir à fond. Moi je sais que j'ai énormément apprécié cette lecture, mais je n'irai pas jusqu'à la recommander à tout le monde non plus. Je pense que c'est pour des gens qui ont un bagage aussi avec ce genre de thème en fait. Voilà, et ici les trois premiers tomes de Sky Survival Next Level, qui est en fait le spin-off. Donc ensuite on a Golden Kamuy, donc j'ai les quatre premiers tomes sur les 23 sortis à ce jour, donc avec des couvertures qui sont beaucoup trop belles, et des dessins, pareil, moi j'adore les ombrages et les ancrages de l'auteur qui sont absolument fabuleux. Alors c'est assez long à lire, hein, ça je mets à peu près 45 minutes quand même à lire un tome. Mais c'est super cool, allez découvrir ça. L'animé, du coup, j'ai regardé un petit peu bon, en parcourant comme ça pour voir ce que ça valait. L'animation est super. Donc, si des gens préfèrent le regarder en animé, parce qu'il n'est pas si facile à trouver, mine de rien, allez le découvrir en animé, il déchire. Ensuite, on a les deux premiers tomes de Bakuen Retto. Donc, c'est un manga sur les Bosotsuku, donc les gangs de motards japonais. Ça aussi, c'est super dur à trouver. Le style est un petit peu daté, mais j'aime bien. C'est vraiment du furio, hein. Une belle page couleur là. Mais ça se lit très bien. En fait, on s'habitue très vite au dessin. Au début, j'avais un peu de mal. Donc, ceux qui aiment la moto, qui sont dans une vibe un petit peu Tokyo Revenger en ce moment, c'est un manga pour vous. Même s'il faut savoir que c'est beaucoup plus mature, hein. C'est vraiment pas du shonen comme Tokyo Revenger. C'est vraiment une lecture réfléchie sur la place dans la société, l'avenir et qui je suis, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi mes fréquentations sont-elles bonnes, mauvaises. Bref, beaucoup de réflexions, c'est fini en 18 tomes. Bon, là je suis au tome 2, mais j'accroche à fond, j'adore. Allez découvrir ça. Ensuite, j'ai les 6 premiers tomes d'Ajin. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai jamais continué. Voilà. En fait, ça nous parle d'Ajin, donc c'est des gens immortels. Enfin. Les Ajins sont des gens immortels dans notre monde à nous, et donc ils sont pourchassés pour avoir des études sur. Bon, bref. Je sais que je m'en rappelle plus trop en fait. J'avais commencé quand le tome 1 et 2 étaient sortis en même temps en lot en fait. J'avais continué jusqu'au tome 6 et je n'ai jamais fini. Je sais pas vraiment pourquoi, j'ai jamais continué. Je sais que le tome 17 sera le dernier tome et il sort tout prochainement. Donc peut-être que je m'achèterai tout d'un coup et que je me ferai un marathon. Ou que je ferai un marathon avec vous, je ne sais pas trop encore. Et pourtant, c'est une lecture que j'avais adorée. Je vais peut-être vous montrer quelques dessins. Voilà, donc les dessins s'améliorent hein, au fur et à mesure, mais c'était vraiment super cool. Ça me donne presque envie de les relire. Bon. Et dans le fond. J'ai l'intégrale en 38 tomes de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc avec un effet, je sais pas si on va le voir là, hop, un peu arc-en-ciel brillant, qui est super cool, que j'ai acheté d'occasion en tout début d'année, et que j'ai pas encore lu. Je sais que j'avais lu il y a longtemps les 7 premiers tomes, donc qui est en fait l'arc 0 qui n'a pas été animé, et qui est tellement dark par rapport à. Ah bah l'animé qu'on a eu qui a eu énormément de censure. Bref, Yu-Gi-Oh! C'est super cool, moi je suis trop fan et je suis hyper content d'avoir cette pièce dans ma collection que je vois quasiment jamais. Mais il faut que je me lise l'intégrale, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Sur cet étage, on retrouve alors Black Clover Quartet Night, donc qui est un spin-off de Black Clover, que j'avais lu, que j'avais bien aimé, mais bof, je prendrai la suite plus tard, c'est vraiment pas une priorité. Et les 28 premiers tomes de Black Clover, donc qui est un manga que j'aime vraiment énormément. Avec des super dessins, des super couvertures. Moi, je suis fan de. Je suis assez fan. Surtout que le manga devient de plus en plus dark. Donc, on part sur vraiment un Neketsu basique à la base. Et on arrive dans quelque chose de plus en plus dark. Et vraiment, les derniers tomes sont sombres. Au possible, je suis trop fan. Ça réveille mon adolescent qui dort en moi. J'adore Black Clover, ça déchire pour tous ceux qui peuvent aimer un shonen classique, une lecture simple. Foncez là-dessus, c'est trop bien.
Ensuite, j'ai le tome 1 depuis, je pense, plus de 15 ans de Death Note et le spin-off qui est sorti il n'y a pas longtemps, Short Stories. Donc, voilà, je vous fais pas l'affront de vous faire découvrir Death Note. Alors, pourquoi je les ai pas? Parce que c'est un de mes meilleurs amis qui les avait quand on était petit. Et du coup, bah, je les prenais avec lui dès que j'avais envie de les lire. Et en fait, ben, je les ai jamais achetés de moi-même. Pourtant, je sais qu'ils sont trouvables en occasion, mais c'est pas une priorité non plus. Même si c'est une pièce que j'apprécierais avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, Junji Ito, La déchéance d'un homme, le tome 1. Donc, avec cette splendide couverture avec le grain. Le tome 2 est sorti ou va sortir, je ne sais plus trop. Ça sera en 3 ou 4 tomes, il me semble. En tout cas, c'est super cool. J'ai pas encore tout lu, puisque en fait j'attends d'avoir l'intégralité pour tout enchaîner d'un coup. J'aime bien Junji Ito ne pas décrocher et d'être à fond dedans pendant tout le récit. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les intégrales, les rééditions. C'est super cool, on est dedans du début jusqu'à la fin. J'adore. Un shonen de samouraï. Chiruran, donc, qui est une sortie de chez Mangetsu toute récente. Il y a une trentaine de tomes au Japon, si je dis pas de bêtises. Et les dessins sont fabuleux. Les combats... Donc ça parle de samouraï et le flow de ce personnage. Bref, alors il y a beaucoup de noms, hein. Je retiens pas tout le monde, mais c'est vraiment super cool. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu samouraï, histoire, combat, hein, tout bêtement, ça c'est fait pour vous. Vous regretterez pas de découvrir ça, foncez. Ensuite, dans le fond, bon, on a le guidebook de Berserk et du tome 28 au tome 40. Ça, c'est mon bro, c'est mon meilleur pote Antoine qui me... Merci, merci de me les prêter. Merci d'avoir les Berserk. Merci parce que bon, Berserk, la Dark Fantasy... Je suis en train de lire, hein, je suis au tome 36... Parce que j'ai un aveu à vous faire, je n'avais jamais lu Berserk avant ça. En fait, j'attendais d'avoir le final, d'avoir la fin avant de commencer. Mais bon, bah, comme vous savez, Kentaro Miura nous a quittés récemment. Du coup, il fallait que je lise Berserk. Donc je sais que j'approche de plus en plus de la fin. Regardez-moi ça. C'est indescriptible, Berserk. Je découvre un monde. Et... Waouh, c'est... Je suis encore retourné, hein. Ben, c'est ça ma grosse lecture du moment, c'est Berserk. Donc comprenez que je peux pas lire Kingdom en même temps que Berserk, ça me ferait trop dans la tête. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde connaît Berserk aujourd'hui, mais si jamais vous êtes rebuté à lire, foncez. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures que j'ai faites jusqu'à ce jour. Une plus petite bibliothèque ce coup-ci, donc qui est en fait juste du Seishi Kishimoto, le frère jumeau de son auteur Masashi Kishimoto, avec Blazer Drive, son dernier manga qui date un petit peu maintenant, qui était vraiment très chouette. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais vraiment bien aimé ça quand il était sorti. Bon, moi pareil, hein, j'étais trop fan de du manga d'à côté, 666 Satan, qui est mon manga d'adolescence, qui était mon manga préféré pendant de nombreuses années. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez découvrir ça, parce que 666 Satan, c'est vraiment vraiment fabuleux. Moi, c'est un peu aussi parce que c'est mon manga d'adolescence, mais allez découvrir ça. Si vous aimez Naruto, dans tous les cas, vous pouvez pas ne pas aimer Satan 666. Et ensuite, si vous appréciez vraiment, je vous conseille Blazer Drive, qui est complètement différent, hein, mais vraiment super cool les deux. Bref, que des bonnes idées, malheureusement ça n'a pas eu le succès escompté. Ensuite, nous avons Parasite, donc l'édition Perfect, je sais pas si ça s'appelle Perfect, mais l'édition de luxe là, avec vraiment des couvertures super cool, des tranches qui sont super cool également. Je suis trop fan. Un Parasite, c'est absolument fabuleux, mais j'ai que les trois premiers tomes parce qu'en fait, je trouve pas la suite. J'arrive pas à la trouver. Mais bon, c'est pas une priorité non plus absolue. Mais c'est une superbe lecture. Si jamais vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez aller voir l'animé, qui est absolument fabuleux également. Noise,
que j'avais acheté pour ma copine, qui l'a bien aimé, mais c'était vraiment pas incroyable selon elle. Je l'ai pas encore lu, donc c'est une enquête policière, il me semble. Donc, les dessins sont très cool par contre. Ouais. À voir. Mais je sais que je les lirai quand je prendrai le temps de les lire, mais pareil, c'est pas une priorité. Dans tous les cas, c'est 3 tomes, hein, c'est l'intégrale, c'est fini. Si vous aimez les enquêtes policières, apparemment c'est pas mauvais, de toute façon ça va pas vous ruiner 3 tomes. Mais moi je peux pas vous en donner beaucoup plus d'infos étant donné que je les ai pas encore lus. Ensuite, une découverte toute récente, le bateau de Thésée, que je trouve absolument formidable, une de mes meilleures lectures de 2021 également. Alors les dessins, ils sont super cool, mais il y a beaucoup de lectures, on met assez de temps également à lire un tome. Ouais, je dois mettre pas loin de 40 minutes aussi pour lire un tome du bateau de Thésée. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de choses à comprendre. Et donc c'est une enquête policière également avec du retour dans le temps. C'est trop bien, moi je recommande à tout le monde. C'est super cool, ça sera fini en 10 tomes. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est au tome 9, qu'il faut que j'aille chercher d'ailleurs parce que j'ai très hâte de le lire. Et le tome 10 sortira il me semble en novembre. Donc foncez, c'est une excellente lecture pour finalement moindre coût puisque ça coûte 10 tomes. Voilà. Ensuite, un Furio avec des chats, Nyan Keys. Donc moi, je suis trop fan des chats, vous le savez. Et j'adore aussi les Furios. Alors, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, il y a du mignon, il y a de la bagarre, il y a de l'histoire. C'est super cool, c'est hyper intuitif à lire. Parce qu'au début, on pourrait être perdu entre le passage humain et chat. Bon, alors, vous comprendrez si vous lisez ce que je dis par là. Mais en fait, c'est hyper simple à comprendre. C'est pas qu'on suit vraiment deux personnages à la fois, c'est la même personne, mais qui est un petit peu personnifiée, hein, si on veut. Le chat est personnifié en humain. Et des fois, on peut être un petit peu perdu, mais dans tous les cas, c'est super cool. Moi, je suis trop fan, je recommande. Allez lire ça déchire. Toujours dans les chats, fait l'un pour l'autre. Bon, faut que je vous avoue, j'ai un petit peu de mal avec fait l'un pour l'autre. Puisque, en dehors du côté mignon, j'accroche pas trop à l'histoire. L'histoire me plaît pas trop, bah regardez, hein, sur le tome 2, j'ai toujours mon marque-page, je n'avance pas, j'ai du mal à accrocher. Peut-être que j'étais pas dans le mood, donc je vais lui redonner sa chance un petit peu plus tard. Je reprendrai sûrement tout du début d'ailleurs, mais j'étais un petit peu déçu, du manga. Par contre, l'auteur a fait un nouveau manga, donc celui-là, je vous en parle toujours en bien. C'est La Gameuse et son chat. Alors ça, je suis vraiment trop fan. Trop de mignonnité. Donc c'est de la tranche de vie hein, entre une gameuse, hein, une fan de jeux vidéo, hein, elle est complètement no life, et son chat. Et c'est absolument merveilleux à lire. J'ai pas d'adjectif autre. Juste, c'est chill et c'est mignon et ça se lit super bien, c'est super agréable. Après une grosse journée de boulot, si on n'a pas envie de se prendre trop la tête à lire un truc compliqué, ça, c'est tout ce qu'il faut, c'est parfait. Bon, bah alors, j'ai le tome 1 de Maid-sama. Non, le tome 8, alors qui est pas à moi, qui est ma copine, mais bon. J'ai pas lu, je connais pas. En 6 tomes, j'ai Orange. Orange, je suis trop fan, donc c'est un des seuls shoujo que je possède. J'adore Orange, donc c'est un shoujo, une histoire d'amour, avec une lettre, donc encore un petit côté voyage dans le temps. Si vous voulez, elle reçoit une lettre d'elle-même du futur pour qu'elle change des choses dans le présent. Il y a une romance et c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, les covers, alors je sais pas si elles sont faites à l'aquarelle, mais je suis trop fan des covers. Bref, c'est une super lecture, c'est en 6 tomes et je pense que c'est une excellente façon de commencer les shoujo avec Orange. Merveilleux. Blue Period. Donc Blue Period, ça parle de peinture et d'art un petit peu général. Pareil, il y a énormément de textes, il y a énormément de choses à lire, à comprendre, beaucoup d'informations. Moi, je suis trop fan des dessins, je suis trop fan de l'histoire. C'est un shonen. Mon Dieu, que c'est bon. Ça me fait vibrer ce truc. J'adore. Donc là, il y a 4 tomes. Et j'ai tellement hâte de lire la suite parce que j'accroche à fond. C'est splendide.
Vraiment, je suis émerveillé à chaque tome et j'attends le prochain avec impatience. Shigurui dans cette édition, l'édition de chez Meiyan qui est très belle. Alors ça parle de samouraï, mais j'ai pas lu. J'ai pas encore lu. Les dessins par contre sont vraiment, vraiment très, très, très beaux. J'adore ce genre de dessin. C'est vraiment très prenant. Donc c'est un seinen hein, de samouraï. Il y a un peu de scène gore. J'espère que je vais pas trop en montrer. Bon, parce que j'étais tombé dessus en feuilletant un petit peu. Il y a des scènes qui sont quand même pas évidentes à regarder. Mais à cet étage, on va retrouver Spy Family, donc les 5 premiers tomes. Je suis trop fan de Spy Family. C'est vraiment... Alors, c'est un manga d'enquête, slash tranche de vie. C'est super drôle. C'est super intéressant. C'est une super lecture qui se fait hyper bien. J'adore. L'humour me touche particulièrement d'ailleurs. La petite Anya est parfaite. J'aime les quiproquos que ça prend. J'aime la façon dont les personnages évoluent ensemble. Donc tranche de vie slash espionnage slash humour. Je recommande à tout le monde. C'est super cool. Hop. Ensuite, on a Eden Zero. Donc les 15 premiers tomes. J'adore Eden Zero. C'est donc fait par Hiro Mashima, l'auteur du Fairy Tail. J'adore. Hein. Je sais que des personnes pourraient être rebutées parce que ça ressemble à Fairy Tail, mais vraiment, c'est pas du tout la même histoire, même si des chara-design et des personnages sont des petits clins d'œil. Allez lire ça. Le scénario est vraiment assez original, mine de rien. Et il y a des choix qui sont faits, scénaristiques, que je ne peux pas vous dire, mais qui sont très intéressants. C'est assez rare de voir des choix comme ça. Allez découvrir par vous-même. Je pense que c'est vraiment une bonne lecture qui peut convenir à énormément de personnes, bien qu'on ne soit pas tous fans de Fairy Tail. Ben, Fairy Tail, justement, j'ai les 40 premiers tomes. J'ai que jusqu'au 40 parce que j'ai jamais acheté la suite. Bon, alors Fairy Tail, il faut savoir que quand j'ai commencé, il n'y avait que 2 tomes qui étaient sortis. Donc j'ai acheté pour la sortie du tome 3. Donc ça remonte à quand même quelques années maintenant. Donc c'est aussi un manga d'adolescence. Hein. Ça fait quelques années que je les ai, c'est ceci. Et je me suis arrêté à la sortie du tome 40. Et j'ai jamais continué après. Parce que j'avais pas trop de sous à l'époque. Donc si je pouvais économiser un petit peu, c'était très bien. Il faudrait que j'achète la suite. Sauf que bon, bah. Alors j'ai tout lu, hein. J'ai tout lu, j'avais tout lu en scan du coup. Il faudrait que j'achète la suite. Malheureusement, 23 tomes. C'est un petit budget et c'est vraiment pas une priorité. Donc je me dis que des fois, il faudrait que je le trouve en occasion. Mais les derniers tomes en occasion sont pas si faciles à trouver que ça. Généralement, c'est des lots complets. Puis étant donné que j'ai déjà les 40, bon. Et dans le fond, alors je vais pousser ça, histoire qu'on voit un petit peu mieux. J'ai les 3 Fairy Tail Side Story, donc c'est des petits spin-off sur des personnages. C'est sympa, c'est pas indispensable. Ça se lit bien. Disons que si on est un peu fan de l'univers, c'est vraiment cool. Mais très honnêtement, c'est une lecture qui apporte pas grand chose au récit original. Et dans le fond, j'ai Monster Soul, donc en 2 tomes, qui est également d'Hiro Mashima. Oubliable. Voilà, c'est le seul qualificatif que je pourrais donner, ça serait oubliable. Pas mauvais, c'est pas mauvais, mais. Bon. Ici, on retrouve les 22 premiers tomes de One Punch Man. Donc, moi, je suis très fan de One Punch Man, mais je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Les dessins de Yusuke Murata sont vraiment une dinguerie, ça, par contre. Quoi qu'on dise sur One Punch Man, on ne peut pas reprocher au dessinateur, du coup, de faire des efforts monstrueux. Surtout dans les derniers tomes qui ont des planches, des doubles planches dingues. Bon, évidemment, je ne vais pas en trouver là, mais bon, ça vous donne déjà un aperçu du dessin. Formidable. Moi, je suis un grand fan de One Punch Man parce que l'humour me touche énormément. Même si je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce côté un petit peu redondant, ce côté vraiment blague qui dure. Parce que mine de rien, ça fait 22-23 d'ailleurs, très prochainement, le 23e tome devrait sortir. Ou est sorti peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo. Il y a une version collector d'ailleurs, alors je sais pas si je la prendrai, on verra bien.
À côté, je ne pouvais pas mettre autre chose que Machel. Donc Harry Potter featuring One Punch Man. C'est un duo qui a créé Machel. Incroyablement drôle, c'est hilarant. J'ai vraiment tellement rigolé à la lecture. Les deux premiers tomes sont fabuleux. Les tomes 3 et 4 est moins dans l'humour. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puisqu'on a de nouveaux enjeux. Et la blague ne dure pas trop longtemps, si vous voulez. Ça ne sera pas un manga uniquement composé de gags. Et ça, c'est plutôt cool parce que, ben, en fait, c'est vraiment très bon. Du coup, je suis content que ça se... que ça, pardon, je trouve pas mes mots, que ça devienne un petit peu sérieux. Ça, je suis vraiment très content que ça devienne un petit peu sérieux. Mais je suis encore plus content que l'humour reste, parce que c'est le point central du manga. En espérant que ça fasse pas trop de tomes. Et que justement la blague s'essouffle. Ensuite, à côté, on a un des mangas les plus populaires du moment, Chainsaw Man. Chainsaw Man, les 9 premiers tomes. Vraiment, Chainsaw Man, je suis trop fan. L'animé de MAPPA devrait sortir également. Alors, je sais que certaines personnes sont rebutées par le dessin, mais dans ce cas-là, j'ai regardé le trailer de MAPPA et allez le voir. Waouh! Ils ont fait un travail titanesque. À côté, on a Fullmetal Alchemist, la perfecte édition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'édition est splendide. Fullmetal Alchemist est un des meilleurs mangas que je connaisse dans tous les cas, donc allez découvrir ça. C'est la vie. L'édition est parfaite. De toute façon, c'est ce que ce manga mérite. Nouvel étage avec Demon Slayer, les 18 premiers tomes. Demon Slayer, même pas la peine que je présente. Incroyable. Demon Slayer, c'est vraiment un des mangas qui marche le plus en ce moment. Surtout grâce à l'animé, hein, qui a une animation. Bon, bah, Ufotable, ils ont fait un travail qui est quand même saluable. Vraiment, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont vraiment bien géré ça. Le film est excellent aussi. Les couvertures, hein, moi je les trouve trop chouettes aussi. Je vais vous montrer quelques-unes comme ça, hein, au pif, mais. Hop. Vraiment super chouette, j'adore l'univers. C'est une valeur sûre dans tous les cas. Demon Slayer, voilà, 18 tomes et j'ai hâte d'avoir la collection complète. Ensuite, on a. Le manga qui explose tout, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, voilà. Donc là, j'ai les 12 premiers tomes. Je sais qu'il y en a 14 aujourd'hui, mais je galère à les trouver. Parce que bah, c'est tellement demandé que bah, il n'y en a pas vraiment dans ma librairie en ce moment. Je sais qu'il y a des réimpressions, donc je vais attendre qu'ils sortent. Et je vais pouvoir me les procurer. Parce que j'ai trop hâte de lire la suite. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. D'ailleurs, la série animée, enfin la saison 1, vient de se terminer en 24 épisodes. Faut lire le manga, les gars. Parce que, une fois que vous avez terminé la saison 1, vous devez lire le manga. Je sais même pas comment vous pouvez faire pour tenir un an, ou je sais même pas s'il y a une date d'annoncer. Allez lire ça, c'est incroyable. Ensuite, on a les 10 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, plus le tome 0, qui était donc le pilote, hein, le spin-off, je ne sais pas trop comment appeler ça. C'est sorti avant, et c'est super bien. D'ailleurs, c'est un des meilleurs tomes, hein, personnellement. Jujutsu Kaisen, même pas la peine que je vous présente aussi, je pense que vraiment, ça me semble tellement irréel de devoir le présenter. Ça, c'est un futur classique. Je vous le garantis. Un de mes mangas favoris de tous les temps, Vinland Saga, donc je suis quand même depuis quelques années également. Fabuleux. Déjà, tous les covers sont d'une beauté sans nom. Les dessins sont d'une beauté sans nom. Vinland Saga, je peux que le recommander. Il faudrait que je vous en parle plus précisément un jour, que je fasse une vidéo dédiée. Parce que c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment incroyable. J'ai même pas en fait d'arguments à part tout le temps les mêmes. Hein. Désolé de ce manque de vocabulaire, mais il faut lire Vinland Saga si vous êtes passionné
d'histoire de vikings. Alors même si c'est pas 100% historique, l'auteur fait des recherches et on s'approche quand même d'un histocompatible pas dégueulasse. Bien sûr, c'est un manga, donc il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises, mais c'est absolument incroyable. Ça se divise par arc, si on veut. Donc il y a des premiers arcs qui sont à peu près jusqu'au tome 8, je crois. Et à partir du tome 9, on change du tout au tout. Et vraiment, c'est à partir du tome 9 que le manga prend toute sa valeur. Vraiment, donc les 7-8 premiers tomes sont l'introduction au manga, et qui est d'ailleurs dans tous les cas incroyable. Merci d'avoir fait ça, parce que c'est fou. Mais la suite est encore mieux. Vraiment, allez lire ça. Je le vois pas souvent dans les mangatech non plus. Mais vraiment, 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 c'est un de mes seinen préférés. Et dans tous les cas, j'ai des bons goûts. Donc, si vous aussi vous avez des bons goûts, eh ben, allez lire ça. Ensuite, on a Valkyrie Apocalypse, le manga de bagarre avec les dieux. Pareil, je suis trop fan de Valkyrie Apocalypse. Les dessins sont hyper chouettes aussi, même si par moments l'anatomie est étonnante. C'est pas ça qui est important. Les combats sont hyper cool, hyper bien scénarisés. On ne sait jamais, jamais, jamais qui va gagner le combat. Il y a des retournements de situation tout le temps. C'est une excellente lecture. Il y a un animé aussi, il me semble, sur Netflix, mais qui ne rend pas honneur au manga, de ce que j'ai compris. Non, penchez-vous vraiment sur le manga. Dans tous les cas, penchez-vous sur les mangas avant les animés, mais ça, c'est un autre débat. Et ensuite, de la dark fantasy dans un monde un petit peu de bêtes et... Bon, c'est un peu Spartacus, hein, c'est un peu un péplum, là, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est hyper chouette, les dessins sont super chouettes, c'est fini en 7 tomes. Mais j'en garde un souvenir qui est quand même un petit peu inachevé. En fait, c'est surtout que... Comment expliquer ça? J'ai pas tout compris l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires en même temps. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Alors, le manga est très chouette, hein. La lecture est super. On en ressort quand même content. Je ferme pas le tome en disant que j'ai rien compris. C'est juste que j'ai l'impression de pas avoir tout compris. Mais ça en fait pas une mauvaise lecture pour autant. Et je pense qu'à la relecture, je verrai peut-être des choses que j'avais loupées. On approche de la fin et ça va être hyper simple, puisque c'est les 30 tomes de My Hero Academia. My Hero Academia, un des meilleurs shonen de ces dernières années, donc toujours avec des covers que je trouve mais absolument splendides. Dans tous les cas, hein, vous prenez n'importe quel tome, la cover est cool. Voilà. Hop, on va remonter un petit peu dans les anciens, là, le 11. Tac. Limite, si je pouvais afficher toutes les covers, je le ferais, quoi. Elles sont vraiment super cool à chaque fois. Bref, My Hero Academia, dans tous les cas, c'est cool partout. J'ai vu un petit peu l'animé. Waouh, l'animation, elle est incroyable. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Alors, je regarderai pas tout, hein, mais j'ai feuilleté quelques épisodes, quoi. C'était vraiment, vraiment très bon. Donc, je comprends que l'animé marche très, très, très bien. Les dessins sont super cool aussi, du coup, en manga. Et il y a une nette amélioration. D'ailleurs, j'ai pris le tome 2, mais si je prends le tome 30, là, récemment, dernier en date, les dessins sont pas si différents, mais on sent que dans la technique, il y a des choses qui ont énormément évolué, et ça, c'est toujours excellent à voir. Des retournements de situation, des choses qu'on apprend, et il me semble, malheureusement, que, alors, pas en papier, mais en scan, enfin, en tout cas, dans la publication japonaise, l'auteur rentre dans son... chapitre, enfin dans son arc final. Du coup, ben on est bientôt à la fin de My Hero Academia. Donc je pense qu'on aura, voilà, peut-être une quarantaine de tomes au maximum. Et ensuite, à côté, nous avons My Hero Academia Vigilante, qui est en fait un spin-off, voilà, qui est plutôt très chouette. Moi, je sais que j'avais bien apprécié la lecture. Alors, il faut savoir que c'est pas écrit par Koe Horikoshi, hein. C'est vraiment un spin-off fait par une autre personne, et ça se sent.
puisque c'est quand même moins bon. Cependant, la lecture est très cool. Beaucoup d'univers étendus, en fait. Les gens qui seraient vraiment fans de l'univers de My Hero Academia, foncez, c'est génial, on apprend beaucoup de choses. Les autres, je vais pas dire que c'est oubliable, mais on peut s'en passer. Et ensuite, pour finir sur l'étage du haut, parce que au-dessus, il n'y a rien, c'est le soleil, Jojo's Bizarre Adventure, mon manga préféré, ça vous le savez si vous me suivez. J'ai la partie 1, Phantom Blood, la partie 2, Battle Tendency, donc en 7 tomes, enfin la partie 1 est en 5 tomes, la partie 2 en 7. J'ai la partie 3 en 16 tomes, Stardust Crusader, qui est la partie que j'aime le moins, mais qui est quand même super cool dans tous les cas. Je suis content de l'avoir, quoi. J'ai la partie 4, Diamond is Unbreakable, que j'affectionne beaucoup, beaucoup. Excellente partie. Et sur l'autre étage, donc j'ai l'intégrale aussi en 17 tomes de Golden Wind. Hop. Et depuis récemment, je galère à les remettre. Et depuis tout récemment, la partie 6, Stone Ocean, qui va être animée en décembre sur Netflix. Absolument génial, c'est une super nouvelle. Avec le seul protagoniste féminin jusqu'à présent. Je pose là, je verrai ça après. Ça, c'est super cool, en espérant que le protagoniste de Jojo Land sera une fille. Ça serait super cool. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ma présentation de Mangatech touche à sa fin. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je dois avoir à peu près 600 mangas. J'ai pas vraiment compté. Dans tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Ça n'a pas été une vidéo si évidente à faire, mine de rien, parce que j'ai dû la retourner. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Merci d'être là à ceux qui étaient déjà là avant. Laisse ton plus gros pouce bleu, ça m'encourage énormément. Et n'hésite pas à commenter, surtout en me disant ce que tu as pensé de la qualité audio. J'espère vraiment qu'elle est améliorée par rapport à avant. Et je prends aussi tous les conseils. N'hésitez pas. Vraiment, j'essaye de faire au maximum. Merci en tout cas d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.